La première partie, il y a information au état de mon cannabis. Na pourquoi il y a des noms pour les noms. Na souhaité que nous soyons et bandelia semaine malam. Nous toko bakoi kapiko na mimi kano nyo soma ima kuku cannabis. Na ndila ya kutonga kuhumbo kaya sika. Toi kapiko toza na bomo koto ingambo cannabis. Tope si nous sommes bote bisika to zoami na actualité. Et pourquoi les logos Simba et peuple congolais ou les alliés réunion à ba ministre, il y a défense à ba pays membre à EAC et vous avez tenu les 19 mois au soit dans 48 heures, madame, messieurs, tokozo gelango parce que ba contact les alliés noués à l'interne pour n'appuyer ba n'a clarifier définitivement mandat à ba toi EAC na territoire national congolais. Donc, nous avons une émission d'abus sur la peau quoi, les autres, nous avons une bonne nouvelle pour nous annoncer. Ah ouais. Oui, ou t'in à États-Unis, mais pas ikani, to comprendre finalement pourquoi agitation et zo ko s'accentuer, peu ko se multiplier, côté à terroriste rwandais, ou ba bengye, père et ba M23, Kagame, ah, tout zo ko no ba, Sénat américain a décidé, et le gouvernement américain a retiré ou ezali aide naye, et pas na Kagame pe kwe ba na ko faire porter Kagame aux ali fardeau nan dire ba sanction fardeau o yenge bene ma benyo so Kagame a sali na Congo pe na déstabilisation nan niveau ya ba pays ya Grand Lac to ko nobele ngo déclaration za na biso na émission ya poko anelo to kozwa deux sujets wana na deuxième partie to kozwa reste à sujet on a ko nobele la peuple congolais o les ali mingi et ali mingi mingi déclaration ya gouvernement et salami à partir ya Goma bisika Patrick Muya ya zako séjourné à sali briefing moko to diffusé essentiel la briefing wana na poko na deuxième partie et puis to reba na kopé sa commentaire ya o ezo ko bongama na kati ya armée amboka na biso nzoka ne makambo a miné les euros salama mais de temps en temps to kopé sa ba aspect nango nyoso awate pour na ko préserver pe caractère secret il y a certaines informations na o etali ba rénovation ba innovation Jean Pierre Bemba Mimi ba partenaire ya somo basi ba kitaki awa ba accord ya minene ya somo ici za ki signé na ko bango be na lingala ko ba congolais ya so ba comprendre ba bo comprendre te etali bino ba très etali bi sauté bravo na Jean Pierre Bemba pour en tout cas ba information on a ko eli ango lelo ezali motu ya mingi ezali na litomba mingi pona biso pe pona o etali sécurité en boka na biso ba FRDC o bazala ki formé makambo ki tok comme li bango na kono bango na deuxième partie ya émission metto bana no deux sujets autres tu ko annoncer à peuple congolais réunion kati na ba ministre ya défense ya ba pays membre ya EAC na o etali sanction aux États-Unis a annoncé contre gouvernement ya terroriste Kagame pona ba o yo so ma beyi a sali peuple congolais eza a na Congo eza libanda ya kono na niveau ya ba pays il y a région, il y a Grand Lac, chers compatriotes congolais. Bon, il y a été déstabilisation au Kagame à Sali et comme il y a Souka. Na manyoli malba maiba américain balobi na landi sou ba interview a bato ba otu ko publier ba livre il y a quelques semaines na lisolo ya Congo na conclure ete Tshisekedi nzamba ko ba kumumba ina makila na ye nzamba ko ba kubati la Tshisekedi mtu azanga ka mabete to denonsa ka mabembo yebinga malam mulangi pembe ba entourage na ye ki fait défaut to denonsa ka to critique ka mais awa je vous dis ti na niveau que Sénat américain a décidé na ba sanction contre Kagame na suspension pension ya aide à États-Unis pour na budget à Kagame ça prouve les degrés à lobbying au Tshisekedi na bat na ba sali niveau et atteindre le sommet. Vous savez que moi je ne partage pas ba bloko ya ba oh États-Unis pour Congo contre Congo ça me concerne pas parce que moi je pense toujours que la seule solution est vous taka pas na biso moko. Si ces gens-là veulent nous venir en aide qu'ils les fassent derrière nos forces qui sont légales, qu'ils les fassent derrière nos institutions et pas eux directement sur le terrain comme c'est le cas avec l'EAC. Bon, alors, tantôt, il y a une parenthèse qui avant de continuer. Et à 7 ans, on va contacter le Bakini. Le président de Burundi a dit non, le militaire n'a pas été dans le Congo. Il y a des neutres dans le Congo, dans le Congo, dans le Rwanda, à Kokota, dans le Congo, dans le Congo, dans le Congo, dans le Congo, dans le neutre. Uganda peut-être qu'il y a des forces neutres force neutre ba yepona ko bundate mais je me pose la question ba image o EAC a publié qui est moko na ba compte na ye officiel lobby comme quoi na niveau ya Masisi EAC a renversé tentative ya incursion ya Banyarwanda M23 a ravir ba minduki na ba munition ça paraît contradictoire na ba propos na bango initiaux tango ba kota ki na mboka na biso
tous à clair on a linga makambo mon lili wana te ba linga ko ba distraire biso tout monde à clair te et za ndenge nini et ko ça ma non non to lingi confusion te écouter ça compatriote bango mo ba lo ba ki bazo ya ko bunda na Congo te mais comment ils expliquent qu'hier ils se sont battus na ba 23 toto considère que bazo ko sa biso bazo sa kandela biso bazo sa so ko ba bébé to li kambo ezali nini. Ouais, ça on va réfléchir sur base nango. Au départ, ils ont dit bazo ya kobundate. Mais lobby ils ont prétendu partager des images que j'ai partagées également avec certains congolais au bango batina compte Twitter officiel. Il y a EAC. Bango moko mutu batia zate que ote ba correspondant à cette news batindi image to tia doute te. Bango moko bakamati ba tweeter. Ba lobby ba image ezali ba ba capturer ba M23 au baza blessé ba présenter bango ba au ba koufi ba pesi nombre na ba ba munition na ba 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 mal ya ba munition bango ba botoli ba présenter les biso yango au nom ba munition de botoli ba M23 yango yo cher compatriote il se joue de nous peu importe ba bundisa bande na bango ba dilotique ya M23 bundisa bango te ça nous est égal. Le plus important pour nous, c'est que lors de la réunion le 19 de ces mois entre Jean-Pierre Bemba et tous les restes des pays membres de l'EAC, ils doivent définir la ligne à suivre. Ils doivent nous dire publiquement et officiellement quel est le mandat de l'EAC sur les sols congolais. Sinon, quand on est Bemba, on va dire qu'on va sachet vivre, on va dire qu'on va s'anini, on va pas dire. Donc on s'agit d'un souci d'embauche à la vie sociale, congestion d'embauche et souci d'attendre au cabinet. Maintenant, tu sais que d'abord, quand embauche, il y a des présidents de la République, na peuple congolais, na gouvernement. Oh yo, il y a des gens qui ont la carte, qui ont la tangue, qui ont la tangue, qui ont la pays d'origine. Bah toi, EAC veulent se jouer de nous. On ne donnera jamais crédit dans l'image Juana. Tant qu'ils ne nous diront pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire au Congo. Sont-ils venus s'amuser? Sont-ils venus soutenir leurs frères nilotiques du M23? Ou sont-ils venus combattre aux côtés des forces armées de la RDC? Hein? Toi, ça t'es pour ça publier l'image et autres bombarder M23 et vous convaincre que le Kouta, la méfiance persiste. La méfiance doit continuer et je mobilise par rapport à cela. Réunion au Bembazo côté ni et c'est la conclusion est dans la publique. Sauf que ton money clear tête tokoye la ba EAC wana na marche ba kanga market na banani chou ba keni. Ba tika so kimia. Na zongi siko na makama e matali peuple congolais ba déclaration ya tenalo banon makambo a Bemba bon après na okina makambo ba États-Unis pour makambo zambutu mutu mingi. De comprendre pourquoi Kagame azana katia palpite, de comprendre pourquoi Kagame azana katia azana terrorisé. Pour ba bayon de fond na eba, ba soutenir pendant presque 30 ans aujourd'hui, ba si ba lâché. Il y a une dame là où elle a commis ce qui, Michael Rongwana, où elle a anglaise, a commis livre pour na makamu, na si na sombi livre na bande ya ko tanga. Pour Mikole Zara, tanga ba tika yo. Il faut que tanga pour essayer de contraindre ba Rwanda na abandon. Ils doivent abandonner. Et pour réussir à le faire, il faut que le gouvernement trace les chemins. Pour ceux qui n'ont pas suffisamment d'informations, que le gouvernement Assa Nini appelle sa bango information. Biso ba auto na accès à ko somba livre to somba to pesa ba référence na ba capture d'écran mutu na mutu acquérir connaissance na niveau na ye pour to contraindre ba Rwanda na abandon. C'est le plus important en ces moments. Donc Jean-Pierre Bemba to tu ko jo confirmation à wa peuple congolais. Était 19 avril oyo ezali début à l'ikita katina banilotique ba oya EAC na mokonzi na biso ya défense Jean-Pierre Bemba ba imoto igwe po ba définir ba ligne à suivre soit ba koeba na ko demander to pe ko exiger de parce que le président l'a dit en présence c'est à président suisse lors de la conférence de presse que le gouvernement congolais n'a pas encore répondu à la demande du secrétaire général de l'EAC quant au renouvellement du mandat Yabatoa EAC. Pourquoi? Parce que le mandat qui court son cours là doit être évalué. Que les accents soient placés sur les i, que le point soit placé sur les i pour éviter qu'il ait confusion. D'un côté, l'EAC dit ne pas être une force offensive. De l'autre côté, le Congo dit l'EAC est une force offensive. Finalement, qui dit vrai, qui dit faux? Il faut qu'il ait une réunion qui redéfinissent les lignes à suivre.
Comme ça, il n'y aura plus de déclarations qui prêtent à confusion. Quand tu as un peu de temps, tu as un peu de temps. De toute façon, il y a un peu de temps pour changer. Monusco est stérile. Monusco est au profit de Rwanda dans la nilotique contre le Congo. Donc, on n'a rien à foutre. Il y a la nilotique qui est assez. Donc, c'est pas un peu de temps pour faire ça. Sauf que tu as un peu de temps pour vivre à sachet. Ok, il y a un peu. Ok, Nayango. On n'a plus le temps à perdre. Ote, nous sommes en position de faiblesse. Comme ça, Batango Baya, Bako Sungabisu. Non. Les ventres affamés ne négocient pas. Ne négocie pas. Quand tu es affamé, il ne faut pas négocier. On va te traiter de tous les mots. Il ne faut pas négocier. On va te jeter le quoi, on va jeter au rayon à Moutu Ambetoukouna. Jamais, il ne faut pas négocier. C'est le cas avec nous. Aujourd'hui, nous avons un ministre de la Défense capable de défendre le territoire national, capable de redéfinir la stratégie militaire. Oui, c'est un soldat en boca. Alors, il est plus que temps pour clarifier le dossier. Soit l'EAC reste pour combattre au côté du président Lobique. Tant que les Angolais Bakoya et les Angolais et les Angolais et les Angolais Bakende. Alors, les Angolais Bakoya quand on y habite. Et les Angolais réunion, ben va convoquer et ça la manade bango pour la Koya Bana Koya Valu Makambouana Minoso. Moi, Mikolomi Satomine, et Tigali pour la Banya Rwanda et EAC et ça Nini et Zala Yenge Benefo Senga Yaba Congolais et pas autre chose. Donc, dès que ça n'a pas été dans 3 jours, dans 5 jours, les 5 jours doivent se conformer aux attentes du gouvernement congolais. Pour que vous ayez un tourisme. Deuxième sujet, la vision, la première partie, où le peuple congolais, tu partages l'émission, tu tiens un like pour nous protéger live la vision, pour ceux qui, YouTube a dit qu'on suggérait en gros qu'il n'y ait pas de sanctions. Alors, chers compatriotes, tu es au États-Unis, Nandela et Sénat, a tu qu'on imposé le gouvernement, bah, sanctions, et c'est le gouvernement américain, a sanctionné, tu peux imposer les Mounyarwanda ou ya terroriste criminel Paul Kagame. Mokolo CNDP RCD na mokolo M23. Abomi mingi, batwa koufi mingi. Kaka na Congo te na livre ou ya mwana mwase ou ya anglaise Michael Rongwana. Tozo o tanga ete Kagame atinda batuba te koboma ancien chef ya renseignement na ye na niveau ya Afrique du Sud. Ne dossier ou ya lande la kakarega kino le loboye bi ango très bien. Alors la dame, maintenant qu'elle le dit dans une interview et dans les livres, j'ai également vu dans son livre, je me rends compte que ça rumeur te zaya solo. Et zaya solo. Et alors koutate c'est la vérité. C'est la vérité. Alors pour la yangwe sengeli to lenge la ma. To bongama. Le roi Kagame, dans un pays étranger, on ne peut pas lui accorder ça au Congo. Jamais. Mobilisons-nous. Après déclaration de la Sénat américain, j'ai compris plusieurs choses. Notamment, panique à Kagame se justifie par le fait qu'il a été lâché. Parce que même dans l'interview, il y a Maman Wana Rong, Michael Wana, aux hommes, on a pensé clairement que, à l'lobby, Blinken, à Salinini, a milité pour na ba sanction et ça l'a imposé na Kagame pe na gouvernement na ye. Et selon cette journaliste là, c'est que ba sanction n'a peut même poussé Kagame à abandonner les pouvoirs avant la tenue des élections na mboka na ye. À moins que azwa ba soutien à Sika, notamment au niveau ya Angleterre yo ba zoko la ki sa ba ko sa la ye ba yeux doux pour na ko faire croire que il a pleinement raison ya ko massacrer ba tout pour n'a pas été victimisé comme quoi la communauté internationale n'avait rien fait lors d'un prétendu ou d'un présumé, si je peux me le permettre, génocide de Tutsi. Il n'y a jamais eu de génocide de Tutsi. Kagame a bomba bandeko na ye a bomi pe ba Hutu. Yango ba FDLR ba Lukara le ba sanini ba se venger pour n'a compte ya ba Hutu. Il n'y a jamais eu de génocide au Rwanda ote ba Tutsi. Les Tutsi n'ont jamais été exterminés. Qui sont au Congo? Qui craint la panique et la terreur au Congo? N'est-ce pas les Tutsi? Bah exterminer en place ni. Bah exterminer va on va créer panique mon faut répondre à pour pousser va on bâtir à Rwanda, va que ne quoi assiéger va pays voisin. Comme ça ils vont déstabiliser la Ngé Sengeli Afrique. Livre wana ya moi si wana Michael Rongwana et ali livre moko kito na pour recommander à Robinson Nyoso. Assassin mon nene Kagame.
assassin mon aîné. Et communauté intercriminelle a ça qui est yeux doux parce que ma camona te banaye qu'on bénéficie d'un bambou. Maintenant qu'ils ont compris, je vous dis et je réitère, le fait que la Russie frappe la porte du Congo, c'est une menace pour les Occidentaux, notamment les Américains. Ils feront tout pour écarter cette menace-là de leur portée. Alors d'office, ils doivent abandonner tout ce qui constitue leur soutien à l'égard des menaces à la RDC, notamment les cas à Rwanda, na Uganda. Kagame a rien qui a mis un maître absolu. Quand il menace hier là, a menacé de ne répliquer pas dans le Sénat américain, à comprendre que Mbutu Mbutu est côté. Oh non, le Mabele à Rwanda et Kenda à Congo, donc ça, il y a aussi récupéré un mot des Sénats américains. Lobby. On ne peut pas continuer à Kagame se croit incontournable, intouchable. Tala moi l'icône le quoi tala ma course le quoi singao denzo toi mutu ya Rwanda singao kuto ya moi pété ya moko ezo gumba ma mais na FC bino ata trépied oyo eza bien donc miku a moko boye miku a penza ndenge ba la kisi e photo na bi a mi mona kite pourquoi tiki communication na e publier moi ba batonné oyo penza pourquoi to na posa na to sa na ngo nini ba batonné oto ke na ngo wa. Mais Moutouan a dit qu'il s'est tapé qu'il a ça à Nini, il a ça à Nabiso. Mais tu sais qu'il y a là qui s'est que Moutouan a battu à l'équipe dans Mayenne. Moutouan a semblé encore ça ignorant, tu vois. Tu es ignorant à l'équipe dans Mayenne. J'ai des gens au Congo, je n'ai pas besoin de permission pour la côte dans Congo, tu sais qu'il y a à côté dans la musique, mais dans la minute, tu es lobbying, comment tu fous ça? Na minute yo lobbying ya gouvernement congolais comme ko futa na lutundu la bravo bisika azali po bango ne batia ki mitu na bango a couper yango résultat ba di ko bota ma moko le seigneur to dévoiler makambo na tout po ba to comprendre yango qu'il nous faut soutenir le gouvernement sénat américain bisika makambo to e bandaka na États-Unis kuna lobbying e samba pesi bango basaki ki nango besoin ba décider ba lobby c'est fini. Le Sénat américain n'interviendra plus. Ata soso akufi na Rwanda. Ata yemo Kagame akufi na Rwanda. Bako intervenir te. Bango bako mi kote ya Congo. Zéan zo a déclaration na bango. Bako mi kote ya Congo. Bazo ko exige na gouvernement américain. Ba sanction exemplaire. Contre gouvernement ya terroriste Kagame. Contre pouvoir na ye. Pe tous ceux qui sont impliqués de. Tous ceux qui sont impliqués de près ou de loin. Na instabilité la Congo et sengeli ko sanctionner bango de manière appropriée et sengeli ko étouffer bango pour na ko préserver cohésion africaine quand na ba pays ya Afrique il faut à tout prix ko kanga Kagame pe ko ba na ko faire payer ye ba makamuno so ya ba pays ya sali contre gouvernement congolais yo ka déclaration peuple congolais ya comité des affaires étrangères ya Sénat américain. Il est grand temps que les partenaires internationaux, y compris les gouvernements américains, exigent que le Rwanda se retire de la RDC et que le Rwanda assume pleinement les conséquences de ses exactions sur les territoires congolais. Nous allons continuer au Tanga, na bandela ngoko bato singeto comprendre ngoko malamu po makamweza mbutu mbutu cher compatriote congolais. Et singeli à tout prix. Oui, ben quoi étouffer sémence si à terroriste rwandais Kagame on a quoi ben quoi préserver cohésion nationale paix unité na niveau ya ba congolais na nubangomo parce que Kagame azali source ya malheur ya Congo. Kagame azali source ya instabilité na Congo. Kagame azali raison oyo ba rwandais au Congo se croit intouchable et capable ya kosala nyoso pour na quoi insécuriser ba congolais. Et pas na bango moko.
Alors rapidement, tous la déclaration boyo ka ngo malamu e conseiller to partager émission oyo pour batou nyonso ba réaliser été mon sala à niveau ya gouvernement et zo sala ma pona ko permettre na nini na ba congolais baza la restituer baza la restaurer na kati ya ba droit na bango. Mais ça ça doit se faire accompagner par le patriotisme ba congolais. Monsieur notre OK des États-Unis, monsieur notre OK na maison blanche te toke pas Biden te toke pas Blinken te. Biso bisika to zo mesenge to manifester attachement na biso ferme na ba déclaration ya gouvernement na stratégie ya gouvernement on a ko renverser situation ye kagame ayebi ke bato basi ba memaki wana basi ba lâché a comme ko dieme la o français o atama ka makene ko sa na Benin na tinda ke na Benin Macron na tinda ke ko déclarer ma ma déclarer ki na Benin Macron. Donc Macron moi mou sele ke to wana za tellement déterminé à ko déstabiliser Congo. Mais il faut biso ba kolomboka to ça la bloc. On a ko étouffer bango. Sinon on va continuer à perdre. Voilà, mini chose ko sena wana azo comité affaires étrangères azo ko exiger ba sanction. Mais il faut en réaliser qu'en face il y a des Congolais qui font quoi, qui soutiennent cette thèse là. Des Congolais qui sont déterminés. Et pour bangi sa bango. Ils vont certainement se dire ah les Kamboyo et Sengeto ça nini to continuer ko tia pression likolo ya Kagame pour na ko éviter que colère ba congolais et za la déverser likolo na biso et ko finish ba accepter partenariat na Russie pour être tourné en défaveur na biso. Très bonne nouvelle ya pe sa mes Sengeto ça nini biso to za to. Moi, vous savez que moi, je ne suis pas d'accord avec les Nations Unies, Union Européenne, tout ça, parce que bah, bah, toi, la terre qui s'est ratée. Mais, pression, on retient, bah, on est déterminé, ici, là, on est na Kagame. Il y a une déclaration, bah, des nouvelles informations horribles sur les massacres des civils innocents dans l'est de la RDC par le M23, soutenu par le Rwanda en novembre 2022. On est allé, peuple congolais, bah, on va citer. Kishishe na chefferie à Bwito dans le nord-ouest du territoire de Rutshuru. Balobi, d'après ba enquête préliminaire, il y a droit de l'homme na Monisco o basali ba pesi bango kuna, bango basali nini avec des centaines de morts et près d'un million de personnes déplacées. Il est grand temps que les partenaires internationaux, les gouvernements américains exigent que le Rwanda se retire de la RDC et assume les conséquences de ces exactions sur les territoires congolais. Oezali Bob Menendez, Oezali Mokondi, il y a comité, il y a affaires étrangères, il y a Nini, il y a Sénat américain. Peuple congolais, réveillons-nous. Réveillons-nous. Tozan a besoin à cause de la soudée pour la libérer Mboka. On va battre parce qu'on est à Koloba, c'est que pourtant moi sur la Michael Rwanda au Koloba il y a je crois une semaine. Alobi, les États-Unis sont déterminés à renverser les pouvoirs à Kagame. Maintenant nous on ne peut pas compter sur ça parce que ça peut arriver maintenant tout comme ça peut prendre beaucoup de temps encore. Pendant ce temps les Congolais continueront à trouver la mort sur leur chemin. Pour Kagame est déterminé. Nous on ne va pas se baser sur les États-Unis sont déterminés à renverser Kagame, non. Nous allons nous baser sur notre souveraineté qui doit être respectée par n'importe quel État ou quelle personne. Et cette pression populaire yaba congolais est pour permettre à ce que tout ça nini toi bana ko arracher victoire ni bosu ya Kagame. Ya mona beti c'était na émission première partie tout ça nini to telema to bunda pona mboka. Mon toi distrait yote des ba élections et bona boy. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Nous devons libérer le pays. Nous devons à tout prix libérer le pays. Et le reste viendra après. Voilà, chers compatriotes congolais, Tokati, deux premiers sujets. Tokati émission, Tokutanina, 19h45, pour la seconde partie où le gouvernement a eu sa déclaration. N'a pas d'information sur le sujet, top secret, le Lubango, n'a pas de mots, il y a un mot pour ne pas comprendre, mais il faut quand même camoufler pour expliquer de quoi il s'agit. Merci pour la présence dans la première partie, Tokutanina, 19h45.